4000 mètres carrés au bord de la 36. Les nouveaux locaux de l'entreprise Lehman sont impressionnants. Bonjour Michael. 2,5 millions d'investissements et 7 embauches, mais une méthode toujours traditionnelle. Ici, la cancoyotte est fabriquée à partir de méton affiné sur place. Même moi, de toute façon, je viens toutes les nuits pour surveiller, voir si, s'il faut sortir le méton ou pas. C'est très important. Vous êtes impressionné, quoi. Exactement. Mais c'est comme ça qu'on a réussi. Hein. C'est avec la passion. Si autrement, si on n'a pas de passion, on ne peut rien faire. Une PME qui veut aussi rester familiale. En 2011, après des études de carrosserie, Romaric Lehman intègre l'Enil de Mamirol. Depuis, il est responsable de la production aux côtés de son père. On essaye de diversifier au fur et à mesure, faire plusieurs parfums, plusieurs produits, et vraiment pouvoir rester en entreprise familiale et pouvoir avoir la qualité qu'on veut. Donc, c'est pour ça, le goût avant tout, pour nous, c'est ça. Et en restant familial, on peut vraiment garantir ça. En 10 ans, le petit producteur a conquis un marché de niche, celui de la cancoyotte haut de gamme. Une success story made in Franche-Comté. J'ai commencé à 30 pots, donc j'ai fait connaître ça à mes copains, donc voilà, c'était un truc sympa, un truc comme ça. Et après, c'est parti, maintenant, au bout de 10 ans, je suis 1 million de pots. Mais en restant, justement, le même produit, toujours, tradition. Depuis 3 ans, la PME est même présente sur le marché de Noël de Montbéliard, avec parfois des créations surprenantes, les amateurs devraient apprécier.